avez besoin pour aller. Nous avons parlé d'une église transformée pour transformer le monde, car nous ne pouvons pas transformer le monde si nous-mêmes, nous ne sommes pas transformés. C'est pourquoi nous disons « Change-moi d'abord avant que Seigneur j'aille pour chercher à changer le monde qui m'entoure. » Et nous avons également souligné la dernière fois sur l'Église face aux difficultés. Nous avons vu le message que l'Église avait, un message christocentrique, centré sur Christ. Et nous avons aussi parlé, après ces moments d'apogée, après ces moments de grands miracles, après ces moments de grands succès, nous avons vu que l'Église a connu aussi des moments difficiles, la persécution. Et nous avons vu ensemble, face à la persécution, comment l'Église a réagi, comment l'Église a fait face à cela et comment nous avons vu plusieurs points, comment la source de cette persécution, ces trois catégories de personnes qui ont été à la base de cette persécution. Et nous avons aussi vu comment l'Église a réagi. Le Pierre, être rempli du Saint-Esprit, obéir à Dieu à tout prix. Nous avons vu cela. Alors ce soir, j'aimerais également, encore une fois, nous amener toujours dans les livres des Actes des Apôtres. Et nous allons lire le chapitre 4, verset 32 jusqu'au verset 37. Et puis nous lirons le chapitre 5, versets 1 à 11. Donc nous allons lire deux passages ce soir. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 37. Et puis nous lirons le chapitre 5, versets 1 à 11. Lisons la parole de Dieu dans Actes, chapitre 4, à partir du verset 32. La Bible dit, « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais il mettait tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucune nécessité parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apporter les prix de ce qu'ils vendaient et les déposer aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et les déposa aux pieds des apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 11, la Bible dit ceci. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix. En accord avec sa femme, il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas les droits de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui la prirent. Les jeunes gens s'élevèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé, Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu les champs ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur ? Ceux qui ont enterré ton mari
sont à la porte et ils vont t'emporter, toi aussi. » Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Waouh! Gloire au Seigneur. Alors, nous allons voir au travers de ces deux passages les réalités de la vie de l'Église. Nous sommes là en face des réalités de la vie de l'Église. Donc, au travers de ces passages, des Actes chapitre 4, verset 32, jusqu'au chapitre 5, verset, chapitre 5, au verset 11e, ça nous révèle quelques réalités sur la vie de l'Église. Quelques réalités sur la vie de l'Église. Quelques réalités sur la vie de l'Église. Et quand vous pouvez remarquer, la Bible ne nous cache pas des côtés négatifs de la vie de l'Église. La Bible nous parle de tout de manière générale. Il y a des côtés négatifs et positifs. Nous voyons dans la Bible, quand nous lisons, on nous parle de la vie de Noé, on nous parle de ses faiblesses, de ses défauts, de Moïse, de ses faiblesses, de David également, de Jonas. La Bible présente tout cela. Et ça, c'est ce qui est merveilleux avec la Bible. Il nous présente des hommes normaux qui ont des qualités, mais qui ont aussi des faiblesses, qui ont des qualités, qui ont aussi des défauts. Et à nous de prendre, d'imiter les bons côtés des choses et de faire attention aux défauts qu'ils peuvent afficher ou aux faiblesses qu'ils peuvent manifester. Nous pouvons constater que jusqu'à présent, dans l'Église primitive, tout va bien. Tout va bien, le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte, il y a des conversions en masse, des multitudes, l'Église est en pleine croissance, développement, et dans son apogée, et tout se passe très bien. Des miracles sont en train de s'opérer, de se réaliser, l'Église est en train de vraiment de vivre un temps de réveil très fort, un temps de réveil profond, et c'est vraiment un moment extraordinaire dans cet épisode de l'Église. Malgré la persécution, malgré la souffrance, malgré les oppositions, l'Église avance, l'Église progresse, comme pour dire, rien ne peut arrêter l'Église du Seigneur. Une fois que celle-là est en marche sous l'onction de l'Esprit, rien ne peut l'arrêter. Rien, alors rien. Pas la difficulté, ce n'est pas la persécution, ce n'est pas la pandémie, ce n'est pas le confinement. Rien ne peut arrêter l'Église de Dieu. Elle est en marche, elle marche et avec la puissance du Saint-Esprit. Alors le texte d'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, nous présente la réalité ou les réalités plutôt de l'Église. Et nous allons essayer de les voir ensemble. Et au travers de ces passages, qu'est-ce que ça nous apprend? Que nous apprend ces passages par rapport aux réalités de l'Église? Et comme nous pouvons voir, la première des choses que j'aimerais dire ici, c'est que première réalité que j'aimerais souligner ici, c'est la spiritualité de l'Église. La spiritualité de l'Église. L'Église primitive, c'était une Église spirituelle. Une Église spirituelle, et cette spiritualité est là. Nous le voyons dans chapitre 4, verset 32 jusqu'au verset 37. Ces passages révèlent une spiritualité dynamique. Et parmi les chrétiens, au milieu des enfants, au milieu des chrétiens de l'Église primitive, une spiritualité dynamique qui était là au milieu de cette Église. C'était une Église spirituelle, véritablement spirituelle. Et comment nous pouvons le dire? Nous voyons que cette spiritualité est d'abord manifestée par l'unité qui est au milieu d'eux. Ça, c'est la première des choses importantes. Ils étaient l'exemple d'unité. Dans le verset 32, partie A, on nous dit « Tous, ils n'avaient qu'un seul, une seule âme, un seul cœur et une seule âme. » Ils avaient la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. On précise,
Ils avaient qu'un cœur, qu'une âme. En d'autres termes, on souligne l'unité. Leur spiritualité s'est démontrée par l'unité qui régnait au milieu d'eux. Là où il y a des hommes spirituels, l'unité était là. Cette spiritualité de l'Église est manifestée par l'unité de l'Église. Ils n'avaient qu'un cœur, qu'une âme. Ils étaient une foule. La Bible dit la foule de ceux qui avaient cru. C'est une foule de gens, de différents horizons, de différentes tribus, de différentes nations, de différentes races, c'était de différentes origines, de différents tempéraments. Mais la Bible précise, ils n'avaient qu'un seul cœur. Un cœur, une âme. Un cœur et une âme. C'est pour dire qu'ils étaient unis. C'était unis. Et ça, c'est l'exaucement de la prière même de Jésus-Christ dans Jean chapitre 17, versets 20 à 21. Lorsque Jésus priait pour qu'ils soient un, comme moi et le Père, nous sommes un. L'unité, c'est une preuve de spiritualité. De spiritualité. C'est une preuve de spiritualité. L'unité. Ils sont un. Un cœur et une âme. Ils ont mis de côté leurs différences. Ils ont mis de côté tout ce qui pouvait être. Ils ont choisi de marcher dans l'unité. Mais ça, c'est la preuve de la spiritualité. L'unité. C'est très important, l'élément qui est l'unité. Autre preuve de spiritualité que nous pouvons voir à l'Église primitive, ils témoignaient de Christ. C'est ce que nous dit le verset 33. Le verset 33, il dit « Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. » Vous voyez, hein, la spiritualité, leur spiritualité était démontrée. Ce n'était pas une spiritualité des paroles où ils pouvaient seulement prier en langue ou tout ça. Non, ce n'était pas une spiritualité verbale, des paroles seulement, mais il n'y a rien. Mais il y avait cette vie. La vie, il y avait une vie, l'unité manifestait leur spiritualité. C'est vrai, là où il y a des hommes, il ne manque pas de problèmes. Il peut y avoir des soucis, des tensions, et même les personnes mariées, il manque pas de tensions. Mais ils ont préservé l'unité. L'unité était chère, l'unité était quelque chose de très important. Alors, c'était une église unie. Une église spirituelle, c'est une église qui marche dans l'unité, Mais aussi, c'est une église témoin, qui témoigne. Voilà. Il dit, avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage. Ils étaient des témoins de Christ. Ils rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux. C'était une église qui parlait de Christ, qui témoignait de Christ, qui témoignait de la résurrection de Christ, qui parlait de Christ à son entourage, qui parlait de Christ à sa communauté, qui parlait de Christ dans sa ville, qui parlait de Christ dans son village. Alors c'était une église qui témoignait Christ, qui parlait de Christ. Et c'est comme ça qu'on pouvait voir leur spiritualité par le témoignage qu'ils rendaient de Jésus-Christ partout où ils étaient, dans n'importe quel milieu, dans n'importe quelle circonstance, ils pouvaient témoigner de Christ. Et ça, on reconnaît une église spirituelle, c'est une église composée des hommes et des femmes témoins de Christ, qui parlent, qui témoignent de Christ partout où ils sont, au niveau du travail, à l'université, dans tout ce que là où ils se trouvent, ils rendent témoignage. J'aime cette église. Il rendait témoignage, nous dit la Bible, de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il rendait témoignage. Rendons-nous encore témoignage aujourd'hui. Témoignons-nous de Christ. Parlons-nous de Christ autour de nous. Parlons-nous de Christ au milieu de nous. Une église qui ne témoigne plus, cette église risque de mourir. Ça ne peut plus vivre. La vie de Christ, quand elle est là, la spiritualité, quand la vie de Christ est dans une église, les hommes s'élèvent, les femmes s'élèvent pour témoigner de Jésus-Christ, pour parler de Jésus partout où ils sont, au niveau de leur travail. Ils parlent à leurs collègues de Jésus-Christ, dans leur quartier, dans leurs voisins des paliers, ils parlent de Jésus-Christ, dans leur communauté, ils parlent de Jésus-Christ, ils témoignent le Christ. Ça, c'est une preuve de spiritualité. C'est une preuve de spiritualité. Un homme, une femme spirituelle
parle de Jésus. Il témoigne, c'est un témoin. Il témoigne de Jésus-Christ partout où il passe, partout où il va. Il témoigne de Jésus-Christ. Autre élément qui démontre la spiritualité de cette église, c'est qu'ils étaient un exemple de service. Ils se servaient. La Bible dit, il n'y avait aucune nécessité parmi eux. Dans le verset 34 et 30, jusqu'à 37, il n'y avait aucune nécessité. Ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Et on donne l'exemple d'un certain Joseph Barnabas qui était de Chypre, qui lui, il a vendu sa propriété, il a vendu son champ. Et il a déposé tout l'argent aux pieds des apôtres afin qu'on distribue aux frères et aux sœurs qui étaient dans les besoins, qui étaient des nécessités, qui étaient dans le besoin, au point qu'il n'y avait aucun indigent, aucune nécessité parmi eux, parce que tous, on répondait à leurs besoins avec ce que le frère et les sœurs amenaient. La spiritualité, notre générosité révèle aussi notre spiritualité. Notre générosité révèle notre spiritualité. Une église spirituelle, c'est une église généreuse. Une église généreuse, une église qui se bat pour les autres, une église qui partage ce qu'ils ont. Ce sont des chrétiens qui partagent, hein, et qui servent les autres avec les biens qu'ils ont. Comme Joseph, il a vendu ce qu'il avait parce qu'il voulait répondre aux besoins des autres frères qui étaient, aux besoins de certains frères qui étaient dans le besoin, qui avaient besoin de quelque chose. Il a vendu, il a mis à la disposition de l'Église tout ce qu'il avait comme l'argent pour que l'Église réponde aux besoins des frères et sœurs qui étaient là, parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'ils se sont organisés. Ils étaient tous dans le même endroit, ils vivaient là et on pouvait pourvoir aux besoins de certains veuves qui étaient là, les hellénistes, les veuves hébreux et beaucoup d'autres frères, sœurs qui étaient dans le besoin. Et on ne pouvait pas supporter de voir son frère souffrir, son frère dans le manque, son frère dans le manque et dans la souffrance. Et soit on est là avec son compte rempli, on est là avec des épargnes où on ne sait même pas quand est-ce qu'on va les utiliser, alors qu'autour de toi, il y a des hommes et des femmes qui sont en train de souffrir de faim, qui sont en train de souffrir de nudité, qui sont en train de souffrir de manque de logement. Ils ne savent pas comment ils vont faire. Ils ne savent pas, ils sont en train de dormir derrière et de souffrir de toutes sortes de souffrances, de toutes sortes de manques. Et toi, tu es là. Non, à l'église primitive, ce n'était pas comme ça. Les gens se sentaient... Les gens se portaient les uns les autres. Les gens se portaient les uns les autres. Les gens se supportaient les uns les autres. Ce que j'ai n'est pas que pour moi, c'est pour nous tous. On les partage, on essaie de s'aider pour que les autres aussi avancent, pour que les autres aussi progressent, pour qu'aussi les autres réussissent. Mais aujourd'hui, que voyons-nous aujourd'hui? On voit que si j'avance, je ne veux pas que les autres avancent. Et je veux que tout le monde reste là. Et non, mais ici, dans l'église primitive, on dit qu'il n'y avait pas de nécessité. Il n'y avait pas d'indigents. Comment est-ce qu'il n'y avait pas d'indigents? Comment est-ce qu'il n'y avait pas de nécessité? C'est parce qu'il y avait des frères et sœurs qui avaient des moyens, des capacités, et ils mettaient cela à la disposition de l'Église en vue d'aider le frère, peut-être aider le frère, lui donner une partie d'argent pour dire « fais un peu des affaires, fais un peu de commerce, vends un peu ceci ». Et puis lui aussi dit « bon, comment j'ai vendu ?» Et voilà, je me suis retrouvé, il donne aussi à l'autre, ainsi de suite. Vous voyez, l'Église est en train de s'entraider et pour permettre à ce que les choses aillent de l'avant. Donc, je disais, là où il y a une église spirituelle, c'est une église généreuse qui partage, qui soutient le bien-aimé, frères et sœurs, qui vient en aide à ceux qui sont dans le manque et qui n'ignore pas la souffrance des autres, qui n'est pas indifférent à ce que les autres sont en train de traverser et de connaître. Ainsi, la Bible donne l'exemple
concret d'un homme, Joseph, surnommé Barnabas, le fils d'exhortation, d'encouragement. Lui, il a vendu. Lui, il a vu le besoin. Il a remarqué le besoin et il a vendu, il a apporté l'argent. Nous sommes là à l'Église. Voyons-nous les besoins de l'Église? Remarquons-nous les besoins dans la vie de nos frères et de nos sœurs? Est-ce que nous voyons les besoins de nos frères et sœurs? Et combien sommes-nous prêts à nous investir pour leur bien-être? Combien sommes-nous prêts à mettre pour les aider? Ne fût-ce qu'à payer ceci, ne fût-ce qu'à faire ceci, ne fût-ce qu'à faire cela, ne fût-ce qu'à se retrouver dans tel ou tel autre domaine. Et ça, l'Église primitive, une Église, la spiritualité de l'Église primitive, on pouvait le voir aussi dans leur générosité, dans la manière dont ils pouvaient servir les autres frères, dans la manière dont ils pouvaient porter, aider les autres frères au milieu d'eux. Ils ne les laissaient pas comme laissé pour compte, il ne les laissait pas dans leur souffrance, dans leur manque, mais l'Église savait s'organiser. L'Église savait s'organiser, les frères s'organiser pour essayer d'aider les autres, de secourir les autres, de venir à l'aide des autres. Donc ça, c'est très important de le savoir. Et nous sommes vraiment édifiés de voir la spiritualité de cette Église qui pouvait se manifester par l'unité qui régnait au milieu d'eux. Malgré leurs différences, ils ont fait des efforts de rester unis, de rester soudés. Et ça, c'est très intéressant aussi, cette spiritualité pouvait se manifester par les témoignages qu'ils rendaient autour d'eux dans leur communauté de Christ. Ils rendaient témoignage, ils parlaient de Jésus-Christ et aussi au travers de la générosité qu'ils manifestaient envers les frères et sœurs, la générosité qu'ils manifestaient envers les frères et sœurs. C'est le moment, surtout pendant cette période de fin d'année, de fête, c'est le moment de penser à votre frère, c'est le moment de penser à votre sœur que vous connaissez qu'il est en difficulté, de lui faire une petite enveloppe, de lui faire un petit cadeau, de lui donner un petit rien. Et ça, surtout pendant ce moment de pandémie, sommes-nous sensibles aux besoins des autres? Sommes-nous ouverts aux besoins des autres? Voyons-nous les besoins de nos frères et sœurs qui sont autour de nous, à quelle mesure sommes-nous prêts à les aider et à les soutenir? C'est ça la véritable Église de Jésus-Christ, une Église qui sait porter les autres, une Église généreuse. Oh, que Dieu soit béni pour sa parole. Gloire au Seigneur. Deuxième réalité de la vie de l'Église primitive que j'aimerais souligner ici, nous sommes frappés de voir comment l'amour qui régnait dans cette Église, l'esprit de partage, les témoignages, l'unité qui régnait parmi eux. Nous sommes impressionnés, nous sommes édifiés, encouragés. Et pendant que nous sommes en train d'être encouragés, alors que l'Église est dans une atmosphère de joie, d'allégresse, d'unité, d'amour, de partage, directement dans le chapitre 5e, il y a quelque chose qui vient comme pour casser les choses, il y a quelque chose qui vient comme pour briser les choses. On nous parle d'un couple qui nous fait voir aussi qui était membre de l'Église, mais à qui nous remarquons quelque chose qui ne va pas au sein de l'Église. Directement, on nous parle d'un bon côté, l'Église qui est généreuse, qui partage, qui s'aime, qui est unie. Et de l'autre côté, nous voyons déjà une autre scène qui est un peu triste, qui nous brise, qui peut nous faire poser des questions. Mais comment des choses comme ceci peuvent se passer dans l'Église? Comment il peut y avoir, avec cette atmosphère de l'unité, de l'amour, de partage, des hommes comme ça? Comment est-ce qu'on peut trouver des hommes qui mentent, qui ne disent pas la vérité, qui sont là au milieu de l'Église? C'est juste ce qui nous amène dans notre deuxième réalité pour dire que l'Église est imparfaite. Alors ces choses ne doivent pas nous étonner. L'Église n'est pas l'Église, elle n'est pas parfaite. L'Église, elle est imparfaite. L'Église n'est pas un musée des saints, mais un hôpital pour les malades, pour les pécheurs. Ce n'est pas un musée des saints, mais un hôpital pour les pécheurs. Donc le but de Dieu est de rendre l'Église sainte
parfaite. Ça, c'est le but de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire et c'est ce que Dieu fait par rapport à son Église. C'est le but de Dieu. C'est selon Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Éphésiens chapitre 5, 25 à 27. La Bible nous présente les souhaits. Dieu veut faire que son Église soit une Église parfaite. Une église glorieuse, une église sainte, ça c'est le but de Dieu. Et si Dieu a comme objectif de faire de son église une église sainte, parfaite, hein, sans tache, sans défaut, et cela signifie que nous ne sommes pas encore parfaits. Nous tendons vers la perfection, mais nous ne sommes pas parfaits. Donc, voyez, c'est ça aussi, c'est la réalité de l'Église. Dans l'Église, on peut trouver des Ananias et Saphira, des frères et sœurs qui sont au milieu de nous, qui sont avec nous, mais qui peuvent avoir des mauvaises motivations, qui peuvent mentir, qui peuvent tromper les autres pour une raison, pour une autre, et vivre dans le mensonge, pratiquer le mensonge, vivre dans le péché, mais qui sont au milieu de nous. Ça aussi, c'est une réalité que nous trouvons dans l'Église. Des fois, nous sommes choqués, on se pose des questions, mais comprenez une chose, que l'Église n'est pas parfaite, mais elle tend vers la perfection. Donc, tout cela doit nous interpeller pour nous dire, nous devons apprendre à nous supporter mutuellement, nous devons apprendre à prier les uns pour les autres, nous devons apprendre à nous soutenir les uns pour les autres, parce que l'Église, elle n'est pas parfaite. Il y a encore des défauts, il y a encore des failles. L'exemple le plus simple, c'est l'Église de Corinthe. L'église de Corinthe que nous voyons, une église où il y a beaucoup de divisions dans cette église. Il y a des procès entre frères, ils s'accusent à la justice, ils s'accusent dans des tribunaux, ils s'entraînent dans les tribunaux. Il y a des divisions, il y a l'immaturité incroyable dans cette église. Et pourtant, on l'appelle l'église de Dieu vivant, l'église du Seigneur. Mais c'est une église où il y a l'immaturité, il y a la division, il y a les procès entre le frère, et il y a les disputes, il y a le manque de respect pour le culte du Seigneur, pour les choses saintes, il y a l'impudicité, l'immoralité au sein de l'Église. L'Église de Corinthe nous présente que l'Église, elle n'est pas parfaite. Ça, c'est très important. L'Église n'est pas parfaite. L'Église tend vers la perfection. Donc, c'est fait. Nous devons manifester beaucoup de grâce et de pardon envers nos bien-aimés. Et ça, c'est aussi une autre réalité. C'est pourquoi nous trouvons, il y a des Ananias et des Saphira, des hommes et des femmes qui marchent et pratiquent le mensonge, qui vit dans l'hypocrisie et dans toutes sortes de choses. Nous allons essayer de le voir. Donc, je voulais souligner également cette réalité de l'Église. Et des fois, nous sommes choqués quand nous apprenons certaines choses. C'est vrai, c'est normal que nous soyons choqués, mais nous devons aussi comprendre que l'Église, elle n'est pas parfaite. Elle tend vers la perfection. L'Église n'est pas un musée des saints. L'Église, c'est comme un hôpital où des gens viennent pour être soignés, pour être assistés, pour être accompagnés. Et nous sommes là pour nous aider les uns les autres. Nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. Nous sommes là aussi pour nous porter les uns les autres. Nous sommes là aussi pour nous pardonner les uns les autres, car l'Église, elle n'est pas parfaite. Je ne suis pas parfait, tu n'es pas parfait. Et l'Église est composée des hommes et des femmes imparfaits. Des hommes et des femmes imparfaits qui ne sont pas parfaits, mais qui tendent vers la perfection. Et pour nous aider dans ces démarches, dans ce processus, dans ce travail, nous avons besoin des uns des autres et c'est important pour cela. Troisième réalité que nous trouvons également dans l'Église primitive, la réalité de la vie de l'Église, l'Église a un ennemi. Waouh, ça c'est très important. Nous voyons que l'Église a un ennemi. L'Église a un ennemi. C'est ce que nous voyons dans le verset 3. Pierre lui dit, « Ananias,
pourquoi, chapitre 5, verset 3, dont nous sommes déjà dans le chapitre 5, verset 3, Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ ?» Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Ici, ça nous révèle que l'Église a un ennemi. Et l'ennemi de l'Église, c'est le diable, Satan. L'Église a un ennemi. L'Église est dans son apogée quand le diable s'infiltre pour les attaquer à l'intérieur. Voilà. L'Église est dans son apogée. L'Église est dans un grand développement. Directement, comme je l'ai dit, du chapitre 4 au chapitre 5e, au chapitre, la fin du chapitre 4, on nous montre une Église unie, une Église soudée, une Église où règne l'amour, où les gens se serrent les uns les autres, où il y a le témoignage de Christ qui est fait. Et dès que nous commençons le chapitre 5e, il y a un bémol. On nous présente l'ennemi de l'Église qui s'est infiltré dans l'Église pour essayer d'attaquer l'Église, de la déstabiliser en sémant les choses dans les cœurs, dans les esprits des gens, pour essayer ainsi de déstabiliser l'Église. L'Église n'est pas à l'abri de l'attaque de l'ennemi. L'Église n'est pas à l'abri des attaques sataniques et démoniaques. Nous devons le savoir que l'Église n'est pas à l'abri. Malgré son succès, malgré la prospérité qu'on peut connaître, malgré le succès qu'on peut avoir, mais nous devons savoir une chose, que nous ne sommes pas à l'abri des attaques de Satan. Nous ne sommes pas à l'abri des attaques de Satan, du diable. Nous ne sommes pas à l'abri et nous devons faire très attention par rapport à cela. L'Église est dans son apogée, mais il est attaqué. L'Église est attaquée, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Parce que de l'extérieur, on a vu dans le chapitre toujours 4, à partir du premier verset, nous avons vu la persécution qui est venue de certains chefs religieux, de certains commandants du temple. Mais là, nous voyons une attaque de l'intérieur. Le diable s'est infiltré. Le diable est entré à l'Église. Il a trouvé des frères et des sœurs de l'Église. Et il a travaillé, il a utilisé ces personnes pour essayer d'affaiblir l'Église en introduisant les mensonges. Il a essayé d'affaiblir l'Église, déstabiliser l'Église. Le but est de briser la cohésion. Le but de Satan est de briser la cohésion, l'unité qui régnait au sein de l'Église, de briser la cohésion et l'unité qui régnait dans l'Église. C'est ça le but. Il vient pour essayer de briser cette cohésion et l'unité qui régnait dans l'Église. Le diable a trouvé un canal par qui entrer et déstabiliser l'Église, et déstabiliser l'unité de l'Église. Il a trouvé un couple, Ananias et Saphira. C'est ce couple qu'il a trouvé pour essayer de les contrôler et d'amener, déstabiliser l'Église. Ananias et Saphira ont permis à Satan de s'introduire par le mensonge. À s'introduire par le mensonge, alors que la Bible nous appelle à nous dire la vérité les uns les autres. De nous dire la vérité les uns les autres. Quand nous ne nous disons plus la vérité les uns les autres, nous donnons l'accès au diable, à l'Église. Quand nous ne nous disons plus la vérité les uns les autres et que nous tombons dans toutes sortes de mensonges, nous donnons l'accès à l'ennemi. J'aimerais nous dire, frères et sœurs, ne jouez pas le jeu du diable. Il est le père du mensonge. Nous devons faire très attention, comme nous dit 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Votre adversaire, veillez, soyez sobre. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est comme cela. Il cherchait, il voyait la progression de cette Église. Il voyait l'impact qu'avait l'Église primitive. Alors le diable cherchait par tous les moyens comment déstabiliser, comment briser la cohésion, comment briser l'unité qui règne au milieu d'eux. Il rôde.
Il n'est pas content, cet adversaire, de voir que les choses progressent, de voir que les choses aillent bien. Sachez que d'une manière ou d'une autre, le diable est à l'attaque. Il est l'ennemi de l'Église. Il hait l'Église du Seigneur. Il s'oppose à l'Église du Seigneur. Il s'oppose à la paix, à l'unité de l'Église, à l'amour qui peut régner au sein de l'Église. Il s'oppose à cela. Alors il va essayer de susciter certains frères et sœurs. Il va essayer de manipuler certains frères et sœurs. Il va essayer de contrôler certains frères et sœurs et qui commencent à susciter des problèmes par-ci, des problèmes par-là. Et tout cela vient affaiblir l'Église. Ça vient affaiblir l'Église. Quand le mensonge entre dans l'Église, ça affaiblit l'Église de Dieu. Quand les divisions entrent dans l'Église, ça affaiblit l'Église de Dieu. Et c'est comme cela que le diable a essayé de travailler dans cette Église primitive. Il est important de comprendre que nous ne sommes pas à l'abri de ces attaques. Alors veillons. Nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons veiller en tant que l'Église de Dieu. Nous devons veiller en tant que leader dans l'Église. Parce que nous ne sommes pas à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri. Il a trouvé un couple qui était là à l'Église, qui était membre de l'Église, qui était le frère et sœur des membres de l'Église. Mais il les a trouvés. J'aimerais nous sensibiliser. Veillez que vous ne soyez pas l'instrument par lequel le diable peut passer pour essayer de déstabiliser l'Église. Que vous ne soyez pas l'instrument de l'ennemi, l'instrument par lequel le diable peut passer pour essayer de détruire la cohésion de l'Église, pour essayer de détruire l'unité de l'Église, que vous ne le soyez pas, qu'il plaise à Dieu que vous ne soyez pas cet Ananias, cet Saphira, non, ou par qui le diable peut passer, vous commencez à vous injecter certaines idées, certaines pensées pour vous dire non, et ils font comme ça, non, nous on va faire de cette manière-ci, pourquoi, pour qui c'est pas, pourquoi ils font ça, nous aussi on va faire, mais on va le faire à notre manière, alors qu'il y avait une politique, si je peux dire cela. Il y avait une manière de faire qui a été adoptée par tous. Que si vous vendez quelque chose, vous voulez donner quelque chose à Guy, sentez-vous libre de donner, il n'y aura pas de souci. Mais eux, ils ont voulu maquiller les choses et cela, le diable en a profité. Donc, j'aimerais simplement dire ici, veillons, car personne d'entre nous n'est à l'abri du diable. Le diable peut passer par vous et que vous ne soyez pas l'instrument par lequel le diable passera pour essayer de déstabiliser l'Église. Que vous ne soyez pas l'instrument par lequel le diable passera pour essayer de détruire l'unité et la cohésion de l'Église. Non, que vous ne soyez pas cette personne-là. Que vous ne soyez pas ce couple-là. S'il vous plaît, ne le soyez pas. Veillez, 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 car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Pierre a démasqué l'œuvre de l'ennemi. Il dit, pourquoi Satan, là où Dieu est à l'œuvre, Satan cherche toujours à s'infiltrer. Toujours à s'infiltrer pour jouer son jeu, pour vous déstabiliser, pour vous anéantir. Pourquoi? Pourquoi Satan? Pierre se pose la question, mais comment est-ce que Satan est arrivé à vous emballer, à vous contrôler, à vous amener dans de telles pensées? Pourquoi? C'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a une ouverture, il y a un accès par lequel Satan, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi? Pourquoi cela est arrivé? Pourquoi Satan a pu t'emballer dans ces choses? Pourquoi Satan a pu injecter sur toi ses pensées pour que tu commences à imaginer, à penser de cette manière, à mettre des scénarios en place pour essayer de maquiller, de mentir, de tromper la vigilance des autres? Pourquoi? Nous devons faire très attention à cela. Alors, nous allons voir un peu trois choses qui a permis à Satan de travailler dans Ananias et Saphira. Trois choses.
La Bible nous dit, ne donnez pas l'accès au diable. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 27. Ne donnez pas l'accès au diable. Mais Satan a pu s'infiltrer, a pu s'introduire, a pu injecter ses pensées dans le cœur d'Ananias et Saphira. Comment cela est arrivé? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Alors, il y a trois choses que je peux dire. Ananias et Saphira ont montré trois traits qui ont provoqué ces premiers grands problèmes dans l'Église. C'était là le grand problème qui a créé un format d'atmosphère qui était terrible à l'Église, qui a fait que le diable puisse s'infiltrer à l'Église. Trois choses qui ont pu donner l'accès à l'ennemi dans la vie de l'Église. Trois choses, trois traits. Premièrement, c'est l'hypocrisie. Nous voyons ça dans le verset 1 et verset 2. L'hypocrisie, les faux semblants spirituels. Ananias et Saphira voulaient paraître spirituels sans l'être réellement. Ils ont vu que bon, les autres aussi vendaient leurs champs, ils apportaient, ils contribuaient, ils donnaient leur argent. À l'exemple de Joseph Barnabas qui a vendu son champ et qui apportait tout. Sûrement, il y a eu une forme d'admiration, je pense. Les gens disent, waouh, lui vraiment, waouh. Il a vendu, il a apporté tout son argent, tout l'argent de tout ce qu'il a vendu, de son champ. Si ça coûtait combien de milliers d'euros, je ne sais. Mais il a tout apporté sans rien garder. Alors Ananias et Saphira voulaient aussi, et aussi montrer un peu qu'ils sont spirituels. Et ils ont joué à ces jeux-là. Mais en mentant, ils ont vendu leur champ. Ils ont gardé une partie d'argent et ils ont présenté une autre partie d'argent. Là n'est pas le problème. Mais ils l'ont présenté comme si c'est à ce prix-là qu'ils l'ont vendu. Alors qu'il y avait une autre partie. Pourquoi? Ils voulaient juste paraître. Ils voulaient paraître aussi spirituel que Joseph, Barnabas. Que les gens puissent aussi les applaudir, les admirer, dire « waouh ». L'hypocrisie, les faux semblants spirituels. Il voulait paraître spirituel sans l'être réellement. Il n'était pas, mais il voulait paraître. Et c'est là où le diable a profité pour entrer. Parce qu'il voulait l'hypocrisie, vivre dans l'hypocrisie. Bien-aimé, vivre dans l'hypocrisie ouvre la porte à l'ennemi dans votre vie. Ouvre la porte à l'ennemi, donne l'accès au diable dans votre vie. Si vous choisissez de marcher dans l'hypocrisie, de voir le faux semblant, apparaître, vouloir apparaître ce que vous n'êtes pas. Vouloir apparaître ce que vous n'êtes pas. Le faux semblant, sauver l'image, impressionner les gens. Et ça, c'est ça le problème. Et le diable s'est infiltré par là. On voulait impressionner les gens. Il voulait aussi qu'on parle aussi de lui. On a parlé de Joseph, on parlera aussi de nous. L'hypocrisie. Que Dieu nous garde de cela. Soyons des personnes honnêtes. Faisons tomber des faux semblants. Faisons tomber nos masques. Ne cherchons pas à impressionner les gens. Ne cherchons pas la gloire des hommes. Que les gens nous acclament, que les gens nous plaignent. Non, soyez vrais. Soyez vrais. Ne cherchez pas la faveur des hommes. Ne cherchez pas à impressionner les gens. Soyez vrais. Donc nous voyons ici l'hypocrisie, les faux semblants. Ils ont voulu paraître spirituels. Mais alors, ce qu'ils n'étaient pas réellement. Et c'est l'hypocrisie dans laquelle ils ont été qui a donné l'accès au diable à leur cœur. Comment Satan as-tu pu remplir vos cœurs? Comment Satan? Pourquoi Satan fait ça? Comment Satan est arrivé à vous toucher? C'est parce que vous êtes hypocrite. Vous faites rire les gens ici en face, mais derrière leur dos, vous les critiquez, vous parlez mal d'eux, vous êtes là à l'église, oh c'est mon église, oui ça c'est mon église, mais en dehors, vous critiquez cette église, vous parlez du mal de cette église, vous ne cessez que de parler du mal de l'église. Alors vous êtes hypocrite. Et ça, ce n'est pas bon.
ça ouvre la porte à l'ennemi. Ça donne l'accès au diable. Vous êtes là, oui, c'est mon église, on est content. Mais quand vous vous retrouvez dans le coin, vous vous mettez à critiquer, vous vous mettez à parler du mal de cette église. Tu as vu, tu as entendu, tu as compris, tu as vu vraiment moi cette église. Hein? Je viens seulement pour le Seigneur. Ah bon? Je viens seulement à cette église pour le Seigneur. Oui, c'est bien, viens toujours pour le Seigneur. Mais c'est les hommes qui font l'Église. Et ce sont des hommes imparfaits. Des hommes imparfaits qui composent l'Église. Donc l'hypocrisie, c'est là, ça a donné l'accès à l'activité de Satan dans la vie d'Ananias et Saphira, qui a failli compromettre l'unité de l'Église, la cohésion de l'Église, affaiblir d'une manière ou d'une autre l'Église. Imaginez s'ils n'étaient pas détectés. Ils allaient entraîner les autres dans cette voie-là. Et c'est ce qui est malheureux et triste aujourd'hui de voir qu'il y a des autres qui entraînent les autres dans leur hypocrisie. Ils entraînent les autres dans leur hypocrisie. Comme Ananias a entraîné sa femme dans cette hypocrisie-là. Il y a encore des autres frères, des autres sœurs qui entraînent les hommes, qui entraînent leur mari, les hommes qui entraînent leur femme, les femmes qui entraînent leur mari, les frères qui entraînent les autres frères dans l'hypocrisie au sein de l'Église, à vivre dans l'hypocrisie. Oh, personne ne saura toutefois pourquoi tu t'inquiètes. Oh, personne ne verra. Non, faisons semblant. Mais Dieu vous voit. Dieu le sait. Dieu le voit. Le Dieu de l'Église défend toujours son Église. Dieu défendra toujours son Église. Nous en parlerons. Et deuxième chose que je vois, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. Dans les versets 3 et 4. Ils étaient concentrés sur eux-mêmes. Ananias était concentré sur lui-même. Et cela a causé sa chute. L'égoïsme. Ils ont dit, non, prenons une partie pour nous. Alors que les autres étaient dans un esprit de communauté, de la communauté. Ils étaient dans la communauté. Partageons, mettons ensemble et partageons. Mais ils ont dit, non. Gardons ça pour nous aussi. C'est de l'égoïsme. Et ça, c'est très dangereux. Si on vit dans l'égoïsme, on est en train d'ouvrir la porte, la brèche à l'ennemi. L'esprit de partage doit nous animer, pas de l'égoïsme, où on veut soi-même d'abord. Ah oui, moi, c'est ma position. Je cherche d'abord mon avantage. Oh oui, c'est bien tout ça, mais où est ma place là-dedans? L'égoïsme. Dans tout ce qui s'est fait, tu veux toujours ma part. Où est ma part là-dedans? Frère, tu peux faire ça. Et qu'est-ce que je vais gagner là-dedans? Frère, où est ma part là-dedans? On cherche toujours. Je veux aussi avoir ma part là-dedans. L'égoïsme. Ils n'étaient pas prêts à tout partager. Ils n'étaient pas tout à tout mettre à la disposition des autres. Il dit non, gardons, ça c'est pour moi. Ils n'étaient pas prêts à tout partager. C'est de l'égoïsme. Bien-aimés, partageons. Nous sommes frères et sœurs. Exprimons notre générosité. Brisons l'égoïsme au milieu de nous. L'égoïste ne pense qu'à lui. L'égoïste ne voit qu'avant tout moi, pas les autres, moi d'abord. Mais l'amour nous montre de s'occuper d'abord les autres. L'amour cherche d'abord l'intérêt des autres, pas son intérêt, mais l'intérêt des autres. Ça, c'est l'amour. C'est ce que Christ nous a enseigné, de chercher d'abord le bien des autres. N'est-il pas dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? De chercher plus le bonheur des autres. Plus le bien des autres. Et c'est ce qui doit nous animer.
Vous voyez que vos problèmes, si c'est à moi qui a des problèmes, moi j'ai trop de problèmes, moi seulement, occupez-vous de moi. Moi, non, non, à un moment, il faut voir aussi les problèmes des autres. Il faut voir aussi les difficultés des autres et être prêt à les aider et à les secourir. Et troisième chose que je peux souligner ici, mauvaise intendance. Si Ananias et Saphira sont arrivés à tomber dans le piège de l'ennemi, c'est à cause d'une mauvaise intendance. Ce qu'Ananias et Saphira n'ont pas compris, c'est qu'ils ne sont pas le propriétaire de leurs biens. C'est Dieu qui est le propriétaire et ils ne sont que des gérants. Mais ils n'ont pas pu gérer les choses d'une bonne manière. Ils ont d'abord cherché leur propre intérêt. Bien-aimés, nous ne sommes pas propriétaires de tout ce que nous avons. Nous ne sommes pas propriétaires, nous ne sommes que des gérants, des intendants. Et nous devons bien gérer ce que Dieu nous a donné. Nous ne devons pas le gérer pour nos intérêts égoïstes, mais nous devons gérer ce que Dieu nous a donné pour l'avancement du royaume, pour l'avancement de l'évangile, pour le progrès de l'évangile. Ça doit être notre motivation et notre priorité. D'abord, le royaume. D'abord, le royaume. Cherchez d'abord le royaume. Cherchez d'abord l'avantage de Dieu. Moi, je viendrai après, mais l'œuvre de Dieu d'abord. Le royaume de Dieu d'abord. Les progrès de l'œuvre de Dieu. Les progrès de l'évangile. Les progrès de Dieu d'abord. Que Dieu soit retrouvé dans tout ce que je fais. Que Dieu soit honoré. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit notre priorité avant toute chose. Et ça, c'est très important, bien-aimé. Voilà les trois choses que je peux signaler pour nous aider à comprendre et ce que les autres, ce qui a permis à amener à ce que les diables puissent avoir une emprise sur les disciples, sur Ananias et Saphira. Et je bénis le Seigneur. Comment alors les choses se sont passées? Nous voyons à la longue que Ananias et Saphira ont été démasqués. La réalité de la puissance de Dieu, de la révélation de Dieu dans l'Église. Ananias et Saphira ont permis à Satan, comme nous l'avons dit, et nous avons dit que nous ne sommes pas à l'abri des choses. Mais nous allons voir plus tard comment l'Église, par l'entruchement de Pierre, les choses se sont passées. Nous voyons, grâce au don des révélations, Pierre a discerné l'esprit derrière la générosité de ce couple. Il y avait une base. Travaillons dans la révélation, Église du Seigneur. Les œuvres du diable seront dévoilées, démasquées, manifestées dans la révélation. Grâce à cela, à ces dons merveilleux des révélations, Pierre, par le discernement des esprits, a su et a compris qui était derrière. Et il a posé une question inspirée par l'esprit pour voir la sincérité de leur cœur, ce qui n'était pas le cas. Travaillons avec la révélation. Le diable a été démasqué. Le diable a été détecté. Comme je l'ai dit, le diable peut passer par n'importe qui pour attaquer l'Église. Alors si nous ne sommes pas une Église qui travaille dans la révélation, une Église qui veille, le diable peut s'infiltrer, passer par n'importe qui pour essayer de dévier l'Église de sa mission, dévier l'Église de sa vision, détruire l'Église de toutes choses. Avec des bonnes actions, mais il peut amener la destruction. Nous devons tellement veiller, veiller et veiller. C'était un couple merveilleux.
C'était un bon couple, sûrement. C'était un couple qui était là, dévoué, engagé. Et ils viennent avec leur montant d'argent. Qui pouvait les soupçonner? Qui pouvait dire que ce qu'ils font là, c'est du mascarade, c'est juste pour tromper les apparences, qu'il n'y a pas vraiment la vérité dans ce qu'ils font? Grâce à la révélation de l'Esprit, grâce au don spirituel opérationnel au sein de l'Église, le diable a été démasqué. Laissons l'Esprit agir au milieu de nous. Laissons les manifestations du Saint-Esprit, les dons spirituels être agissants et opérationnels. Nous verrons comment l'œuvre du diable sera démasquée, comment le diable sera dévoilé et l'Église sera épargnée de beaucoup de choses grâce à la manifestation des dons de révélation. Des dons de révélation. Donc il est important, nous voyons ici l'importance des dons de révélation. Le discernement des esprits. La Bible dit, ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Le discernement des esprits. Nous voyons l'importance. C'est au travers de ces dons merveilleux qu'ils ont été démasqués. Je voulais simplement dire ici que Dieu protège son Église. Vous pouvez venir avec des mauvaises intentions. Vous pouvez venir avec l'hypocrisie. Vous pouvez venir avec le masque. Mais sachez une chose, Dieu est celui qui protège son Église. Ce n'est pas l'Église d'un homme, c'est l'Église de Dieu. Et Dieu sait protéger son Église de la même manière il l'a fait pour l'Église primitive. Dieu a protégé son Église en démasquant l'œuvre du diable, en démasquant les ouvriers du diable, en démasquant les instruments du diable qui ont voulu semer la zizanie, et Dieu les a démasqués, il les a dévoilés. Dieu est le Dieu de l'Église. C'est Dieu lui-même qui combat pour l'Église. Il dit, Jésus a dit, je bâtirai mon Église, les portes de séjour des morts ne provoudront rien contre elle. Rien ne peut s'opposer à l'Église. Donc, Dieu protège son Église. Dieu protège ton Église. Et les responsables doivent veiller, être vigilants, avoir opéré dans le don des révélations pour dévoiler les plans de l'ennemi, les plans machiavéliques. Et Dieu protège son Église. Comme nous le voyons, Dieu a protégé son Église par ses dons des révélations, où il s'est permis qu'Ananias et Saphira soient démasqués dans leurs mensonges, dans leur hypocrisie, dans leur égoïsme, qu'ils soient démasqués. Que Dieu les fasse encore. Donc c'est important. C'est important. Au travers de ces dons, Dieu a donné la possibilité, plus d'une fois nous voyons dans ce passage, Pierre donnait la possibilité à Ananias comme à Saphira de se repentir. Il leur a donné la possibilité. Lorsqu'il pose la question, c'est à ce prix que vous avez vendu votre champ. Là, il leur donne la possibilité. Pierre savait déjà par la révélation que ces personnes sont en train de mentir. Ils ne sont pas vrais dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas vrais. Mais il leur donne la possibilité de se repentir. Et mais ils n'ont pas voulu. Leur cœur était déjà endurci. Leur cœur était déjà séduit par le diable et le péché. Ils n'ont pas voulu se ressaisir pour dire, ah non, ce n'est pas à ce prix. Nous l'avons vendu autant et nous vous donnons autant. Et voilà, ça nous gardons ça pour nos projets personnels. Il n'y a aucun problème. Mais on leur a donné la possibilité de se repentir. Mais ils n'ont pas voulu se repentir. Ils n'avaient pas de bonnes intentions en apportant cet argent. Ils voulaient autre chose, mais ils n'ont pas voulu se repentir. Nous pouvons voir que la repentance est le seul moyen de briser l'emprise de l'ennemi sur votre vie. La repentance est le seul moyen pour briser l'emprise de l'ennemi sur votre vie. C'est le seul moyen de briser l'emprise de l'ennemi, la domination de l'ennemi, le contrôle de l'ennemi sur votre vie. La repentance. Et là où il y a véritablement repentance, l'emprise de l'ennemi est brisée. Si Ananias et Saphira sont restés jusqu'à là sous l'emprise de l'ennemi, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu se repentir quand l'occasion leur avait été donnée.
Et beaucoup de gens sont sous l'emprise de l'ennemi, sous le contrôle de l'ennemi, parce qu'ils ne veulent pas se repentir là où ils doivent véritablement se repentir. Et nous voyons que le jugement de Dieu a frappé ces couples. Lorsque vous refusez la repentance, vous tombez dans le jugement. Vous tombez sous le jugement de Dieu. Et ce jugement peut se faire d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas comment. Ici, ils sont tombés morts et raides directement. Mais on ne sait pas. Il y a plusieurs façons où Dieu peut faire exercer son jugement sur une personne qui ne veut pas se repentir. Alors qu'il y a la possibilité de le faire. Alors que Dieu te donne la possibilité de le faire. Mais tu choisis de rester sur, devenir, rester l'instrument entre les mains du diable pour déstabiliser l'Église. Dieu défend toujours son Église. N'entrez pas en guerre avec l'Église du Seigneur. Répentez-vous. Et ainsi, grâce à cette révélation, grâce à ces dons merveilleux, alors l'œuvre du diable a été stoppée. Le plan du diable a été arrêté. Il est temps que nous arrêtions l'œuvre du diable. L'œuvre du diable a été arrêtée, stoppée. Nous devons être dans l'offensive contre Satan. Menacer, aller comme l'apôtre Pierre. La Bible dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et ça, c'est très important. Nous avons là les réalités. Il y avait un véritable combat spirituel, mais grâce à la révélation de Dieu, on a pu démasquer l'œuvre de l'ennemi qui voulait s'infiltrer pour déstabiliser l'Église du Seigneur. La semence de l'ennemi voulait être semée au milieu de l'Église, mais grâce à la révélation, ça a été démasqué et écarté, mise de côté pour permettre à ce que l'Église continue sa mission et glorifie véritablement Dieu. Et nous avons besoin de cela. Et j'aime la conclusion de quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, quand ce don est manifesté, la Bible dit, et la crainte de Dieu s'empara de tous. La crainte de Dieu. Là où l'Esprit de Dieu agit, par la révélation et par la puissance, la crainte de Dieu remplit le cœur des gens. Parce que là, les gens voient qu'on ne se manque pas de Dieu, qu'on ne peut pas jouer avec Dieu, qu'on ne se manque pas avec l'Église du Seigneur. Et la crainte de Dieu s'empara de chacun d'entre eux. Mais nous n'avons pas forcément d'arriver là pour avoir la crainte de Dieu. Mais des fois, il faut des choses comme ça pour créer la crainte de Dieu, le respect de Dieu dans le cœur des gens. Pour qu'on dise, on ne se moque pas de Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Et on ne peut pas venir combattre l'Église de Dieu, tromper l'Église de Dieu, mentir l'Église de Dieu et penser s'en sortir comme ça. Non. Dieu est celui qui défend son Église. Ne pensez pas venir séduire l'Église de Dieu, combattre l'Église de Dieu et s'en sortir, semer la division dans l'Église de Dieu, séparer les frères dans l'Église et penser s'en sortir sans problème. Non. Demandez à Ananias et Saphira, ils vous diront. Non. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Le jugement de Dieu s'exercera comme on l'a vu. Et ça, c'est la réalité de l'Église, de la vie de l'Église. Dieu protège son Église. Dieu protège et préserve son Église. Voilà ce que je voulais partager avec nous ce soir par rapport à cela, les réalités que nous avons vues. Une Église, les réalités d'une Église spirituelle où nous avons vu comment sa spiritualité a été manifestée par l'unité qui régnait au milieu d'eux. Cette spiritualité s'est manifestée aussi par les témoignages que l'Église rendait à l'extérieur, dans sa communauté. Et nous avons vu aussi que l'Église, l'unité de l'Église, s'est aussi manifestée par
pas. La spiritualité, l'Église, c'est aussi manifesté par la générosité, l'esprit de partage, l'amour qui s'est manifesté au milieu d'eux. Et nous avons dit aussi que l'Église, la réalité de l'Église, c'est que c'est aussi une église imparfaite. Ce n'est pas une église parfaite, c'est une église imparfaite où il y a des hommes et des femmes qui peuvent avoir certaines pensées où vous ne pouvez pas imaginer penser que ces pensées peuvent être à l'église. Est-ce que les gens peuvent penser de cette manière-là? Comment à l'église les gens peuvent penser comme ça? Comment à l'église les gens peuvent se comporter comme ça? Comment à l'église les gens peuvent faire des choses comme ça? Comprenez une seule chose, c'est que l'église, elle est imparfaite. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous supporter et de nous pardonner les uns les autres. Aussi, savoir que l'église a un ennemi, et l'ennemi de l'église, c'est le diable. Et il peut chercher d'une manière ou d'une autre à s'infiltrer. Et de l'intérieur, il peut passer par un frère, il peut passer par une sœur, il peut utiliser n'importe qui. Donc, voilà pourquoi je dis, nous ne sommes pas à l'abri de l'attaque de l'ennemi. Nous devons simplement veiller pour ne pas être celui ou celle par qui le diable va essayer de passer pour déstabiliser, pour ruiner, pour détruire l'œuvre de Dieu ou l'Église du Seigneur, comme il a voulu le faire avec Ananias et Saphira à cause de leur hypocrisie et à cause de leur égoïsme et aussi à cause de leur mauvaise intendance de bien que Dieu leur a donné. Et l'Église de Dieu, c'est une Église puissante, une Église de révélation. Et nous avons vu cette réalité des dons spirituels dans l'Église de Dieu. C'est une réalité importante que nous devons avoir. C'est grâce à ces dons merveilleux de révélation que le diable a été démasqué à l'Église primitive et a ainsi arrêté son œuvre et sa progression au sein de l'Assemblée. Et ça aussi, c'est important. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à être cette Église qui manifeste sa spiritualité par l'unité, par la générosité et le témoignage que nous devons avoir les uns les autres. Nous sommes une Église imparfaite, nous devons apprendre à nous supporter les uns les autres, mais aussi nous devons veiller pour que nous ne soyons pas les canaux par lequel le diable va essayer de déstabiliser l'Église, car Dieu sait toujours défendre son Église. La Bible dit, Dieu détruit celui qui cherche à détruire son temple, d'une manière ou d'une autre. Que le Seigneur soit béni. Merci de partager ce moment ensemble avec nous. Si vous avez des questions, je vais essayer de répondre à vos questions ce soir avant que nous puissions clôturer notre étude biblique de ce soir sur la mission est-elle possible? C'est un défi à relever. Les réalités de l'Église sont là, mais l'Église reste l'Église de Dieu, progressant, avançant, allant de l'avant par la grâce du Seigneur. Malgré les attaques, malgré les combats, l'Église de Dieu progresse, l'Église de Dieu va de l'avant. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Gloire au Seigneur. Quelques questions avant que nous puissions nous séparer. Bonsoir Achille. Quand est-ce que l'Église atteindra sa perfection totale? L'Église atteindra sa perfection totale au retour de Jésus-Christ. Lorsque Christ viendra et que l'Église sera enlevée, alors à ce moment-là, l'Église atteindra sa perfection totale. Aussi longtemps que nous sommes encore sur cette terre, que Jésus n'est pas, qu'il n'y a pas encore eu l'enlèvement, que Jésus n'est pas encore venu nous chercher, l'Église sera là, mais elle sera une Église imparfaite, une Église qui tend vers la perfection qui sera lorsque Christ reviendra. Donc, ne vous étonnez pas si vous avez des problèmes à l'Église, il y a certains comportements des frères et sœurs qui vous dérangent. Comprenez que nous sommes imparfaits et nous allons vers la perfection. Nous devons travailler là-dessus, nous devons nous supporter les uns les autres, nous devons nous pardonner les uns les autres parce que nous sommes une Église imparfaite. Donc il y aura des Ananias, des personnes égoïstes, des personnes hypocrites au milieu de nous.
C'est ça aussi, c'est la réalité de l'Église. Mais nous devons apprendre à nous supporter et surtout travaillons avec l'Esprit de Dieu pour démasquer l'œuvre du diable. Merci. SFI, bonsoir. La Bible nous enseigne de fuir la mauvaise compagnie. Est-ce que dans l'Église, quand on remarque l'hypocrisie chez un frère ou une sœur, il faut fuir et prier de loin pour la personne? Ok, c'est une très bonne question. Oui, quand on remarque l'hypocrisie d'un frère, ne commencez pas par fuir. Allez vers votre frère pour l'aider. Il a besoin de l'aide. Et si Dieu a permis que vous puissiez le découvrir, c'est pour que vous puissiez l'aider. Regardez Pierre. Dieu a permis qu'il puisse découvrir les mensonges d'Ananias et Saphira. La démarche de Pierre, ce n'était pas de les condamner d'abord. La démarche de Pierre, c'était de les aider. Et il commence par leur poser les questions qui pourraient les amener à s'amender, à être vrais. Mais c'est eux qui ont refusé de l'aide, qui ont refusé cette démarche. Ils sont restés dans leur logique. La femme est venue après. On lui a posé la même question. Est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu? Ton mari nous a dit que vous avez vendu ça à ce prix. Est-ce que c'est... Oui, c'est à ce prix-là. Comme il a dit. Voyez? Donc, première chose à faire, c'est d'aider votre frère. Dès que vous découvrez son hypocrisie, ne le laissez pas dans cette condition. Allez le voir, parlez avec lui. OK? Et en même temps, vous priez pour lui. Priez et parlez. S'il ne t'écoute pas, cherche encore un autre frère. Allez le voir. S'il continue toujours dans cette hypocrisie, cherchez encore un autre frère. Allez le voir. Et s'il ne veut pas vraiment se repentir, alors éloignez-vous de ce tel frère, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc éloignez-vous d'un tel frère. Éloignez-vous de lui. Et en continuant à prier pour lui. Mais d'abord, il faut faire cette démarche de l'aider en allant vers lui. Ok, merci beaucoup. Bonsoir Jennifer. Qu'en est-il des abus rencontrés entre membres de l'Église et qui sont souvent mal gérés et finissent par créer tant de frustrations? Bon, je ne sais pas de quelle sorte genre d'abus dont il est question, mais... qu'importe les abus, on ne peut pas autoriser ni permettre les abus entre frères et sœurs, que ce soit dans les domaines peut-être des affaires, l'argent ou toute autre chose sentimentale ou toute autre chose. Toutes sortes d'abus n'est pas à autoriser entre les membres de l'Église. Je pense que de telles choses doivent être réprimandées parce qu'on ne peut pas trouver des choses comme ça au sein de l'Église. Alors, s'il y a des problèmes comme ça, parlez-en. Si le frère ne veut pas écouter, amenez cette situation au sein de l'Église auprès des responsables et les responsables vont essayer de vous aider pour sortir de cette situation. Si, et je pense que ça, c'est la meilleure façon de faire les choses. Vous parlez avec votre frère. Si vous vous sentez abusé dans un domaine ou un autre, parlez avec votre frère. S'il ne veut, il ne vous écoute pas, il est toujours dans ces jeux-là, parlez-en aux responsables. Le problème, c'est que vous faites les choses en cachette, puis des choses se passent, l'Église ne connaît absolument rien, ni d'Adam, ni d'Ève, de tout ce que vous avez fait. Et puis bon, voilà, un jour, on apprend, oh, ça bardait, ils se battent, ils se disputent, on ne comprend rien du tout. Donc ça, ce n'est pas une bonne façon. Voyez le frère. Et aussi, ne soyez pas naïve en vous laissant entraîner en toutes choses. Ne soyez pas naïve. Ce n'est pas toute personne qui vient à l'Église qui est frère ou qui est sœur. Donc, ayez aussi le discernement. Et si c'est dans les domaines des affaires, avec qui vous pouvez vous engager, avec qui il faut faire les affaires. Ayez un peu le discernement et la sagesse.
Ça, c'est très important. Et chercher à connaître les témoignages de la personne. Aller auprès des responsables, poser des questions. Je veux faire l'affaire avec le frère, avec la sœur telle. Est-ce que vous le connaissez? Quel est son témoignage? Comment? Et on peut ainsi vous aider. Peut-être vous dire non, faites attention. Non, ce n'est pas un bon frère. Non, faites attention, il n'a pas un bon témoignage. Et voilà, il vient à peine d'arriver. On ne le connaît pas trop. Ça peut vous aider de manière générale. Mais on ne peut pas permettre à l'Église de Dieu qu'il y ait des personnes qui abusent des autres. Ce n'est pas normal, ce n'est pas biblique. Alors, de telles personnes, il faut les démasquer, il faut les dévoiler, il faut en parler aux responsables pour que les responsables essayent de les aider. Et s'ils ne veulent pas de l'aide de l'Église, alors à ce moment-là, on va les remercier. Et puis, c'est bon, c'est ce que la Bible nous demande de faire. Donc, voilà. Que Dieu soit béni. Merci, que le Seigneur vous bénisse et pour ce moment partagé ensemble dans cette étude biblique. Que Dieu nous aide et que Dieu nous assiste en toutes choses. Merci de nous avoir suivis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause de la situation de la pandémie et des mesures qui sont données, nos cultes commencent à 18h et finissent à 19h30. Donc, ce vendredi, nous nous retrouverons dans notre moment de louange, d'adoration et de prière, comme vous le savez, à partir de 18h. Et nous allons célébrer, glorifier le Seigneur. Là où vous êtes chez vous, connectez-vous et nous bénirons le Seigneur ensemble avec vous. Et nous passerons ce moment béni ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Nous allons prier le Seigneur pour nous recommander à sa grâce. Seigneur notre Dieu, merci pour ce soir et merci pour ta parole. Tu nous as interpellés en nous parlant de la réalité de vie, de la vie de l'Église, par l'exemple de l'Église primitive. Nous voulons te prier, Seigneur, de nous aider dans cette réalité d'une Église spirituelle à démontrer de l'unité, de la générosité, Seigneur, pour ta gloire, à être là, Seigneur, pour nous supporter mutuellement, nous porter également les uns les autres. Aide-nous, Seigneur, dans ce travail, dans cette vie, en tant que membre, en tant qu'Église du Seigneur, de ne pas être des instruments par qui le diable peut essayer de déstabiliser l'Église. Préserve nos cœurs, préserve nos vies. Aide-nous à veiller. Aide-nous, Seigneur, à être attentive et donne-nous à travailler dans les dons pour ton honneur et pour ta gloire. Bénis chacun d'entre nous. Bénis le culte de ce vendredi. Que ta grâce nous accompagne. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, nous venons de prier ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. À très bientôt. Et Dieu, que Dieu continue à nous soutenir et à vous garder. Merci beaucoup.